كل حد عنده شيء يساهم به والجميع مكونكتشي. مع جراتينات نجمة إثنان من موف موريتانيا، تواصلوا بشبكة الجيل الرابع الأكثر انتشاراً في موريتانيا واستمتعوا بزيادات استثنائية كل نهاية أسبوع. مع فرحة جراتينات نجمة إثنان من موف موريتال تستفيدون إلى غاية 200 جيجا صالحة لمدة شهرين. لتفعيل فرحة جراتينات نجمة إثنان أدخل نجمة 123 نجمة رمز تفعيل من 10 إلى 2000 أوقية نجمة إثنان مربع، أو قوموا بتفعيل الخدمة مباشرة عند بعث الرصيد شرجلي. موف موريتال، عالم جديد يناديكم. ما raison de vivre ce sont les autres. Être présent auprès d'eux, leur donner mon temps, sans compter. Avec Gratis Plus étoile 1 de Move Moritel, appelez sans compter grâce à des forfaits pleins de générosité. Les forfaits Gratis Plus étoile 1 de Move Moritel vous offrent jusqu'à 2 heures de communication avec 100 SMS et 100 mégas. Tapez étoile 1, 2, 3, étoile, code d'une recharge de 10 à 100 au Guia, étoile 1, dièse. Ou activez le forfait directement d'un revendeur chargé. Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Moritel, un monde nouveau vous appelle. L'Assemblée générale du club diplomatique de Nouakchott couronne les travaux de sa deuxième session pour l'élection d'un nouveau bureau exécutif pour le club. Le secrétaire général adjoint du gouvernement visite certains sites archéologiques et touristiques, la réserve du Pandarien, accompagné d'une délégation de l'autorité omanaise, des documents et manuscrits. Nouakchott accueille une réunion de concertation sur la stratégie régionale de croissance accélérée et prospérité partagée de la wilaya du Guidimar. Bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur El Mauritania. Les rideaux sont tombés sur la deuxième assemblée générale ordinaire du club diplomatique de Nouakchott. Celle-ci se sera soldée par l'élection d'un nouveau bureau qui prendra en charge les rênes de cet espace de Brent's Trust, ayant à cœur la promotion de l'activité diplomatique sur la scène internationale. Bokar Belaba. L'Académie diplomatique de Nouakchott se veut être une tribune de rencontre avec les générations de diplomates mauritaniens et d'échanges d'expériences. Objectif, élever le niveau du rendement de la diplomatie nationale et améliorer l'image du pays à l'extérieur. Et la tenue de la deuxième assemblée générale ordinaire dans l'Académie diplomatique de Nouakchott s'inscrit dans cette optique. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Madame El Alia Mint Yahya Oulmenkous, a indiqué que le ministère accorde une importance particulière à la dynamisation de ce cadre associatif, dont les préoccupations constituent un axe essentiel de l'action diplomatique assignée au secteur, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani. Elle a ajouté que le ministère œuvre avec le club diplomatique de Nouakchott pour créer un espace d'échange de données par l'intermédiaire de l'Académie diplomatique afin de permettre à tous les fonctionnaires du ministère de tirer profit des compétences et des expériences des membres du club dans le domaine diplomatique. De son côté, le nouveau président du bureau exécutif du club diplomatique de Nouakchott, Ahmed Wilsid Ahmed, s'est félicité des efforts gigantesques déployés par le président et les membres du bureau exécutif sortant au cours des dernières années, malgré les conditions difficiles auxquelles ils ont fait face pour la réalisation des ambitions du club.
Il a affirmé que les membres du nouveau bureau exécutif poursuivront l'action et la coopération avec le portail diplomatique en Mauritanie pour renforcer le rôle diplomatique et améliorer l'image de notre pays à l'extérieur. Les travaux du club diplomatique de Nouakchott ont été marqués par la présentation d'un rapport sur les activités du club au cours des dernières années, l'examen de ses textes organisationnels et le renouvellement de son bureau exécutif. Le Bandarguin, un fleuron de l'écologie et en la particularité d'être une nurserie de poissons et d'oiseaux migrateurs venus du monde entier. La visite de cette zone protégée aura permis de faire découvrir à nos hôtes omanais la beauté de nos paysages. Aminata Khan nous en dit plus. La délégation du Sultanat d'Oman Frère, dirigée par Dr Hamad Ben Mohamed, s'est rendue au niveau de la réserve nationale du Bandarguin dans la Mouqata'a de Chami. Une visite qui a permis à la délégation omanaise de découvrir les différents aspects de cette réserve ainsi que la formidable diversité dont elle jouit. Au micro de la chaîne nationale El Mauritania, l'un des accompagnateurs de la délégation a indiqué que la délégation a visité le parc et a pu admirer une exposition qui rend compte de la richesse incommensurable dont recèle le parc du Bandarguin, indiquant que cette visite a permis aux hôtes de découvrir le potentiel dont jouit notre pays. À notre micro, le chef de la délégation omanaise a indiqué que cette visite a permis de découvrir cette zone qu'il considère comme un site approprié à la villégiature et à la détente, indiquant que le pays recèle de plusieurs richesses et que cette richesse naturelle doit être préservée. La beauté de nos paysages, nos poissons, la réalité de l'économie, avec cette journée de réflexion sur l'amélioration et l'appropriation de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, organisée par les cadres du Guidimara. Tous les aspects de cette problématique ont été abordés et ont fait l'objet d'échanges féconds. Bokar Belaba. Cadres, experts, élus, leaders d'opinion, une kyrielle de compétences du Guidimara réunis à Nouakchott pour réfléchir et enrichir la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée SCRAP. En d'autres termes, il s'agit d'impulser un cadre de développement du Guidimara. Cadre intellectuel, expert, politique, leader d'opinion, j'en oublie. Avant de soumettre le document en question au gouvernement pour validation, nous avions jugé essentiel, pertinent et essentiel de le partager avec vous, avec tous les fils du Guidimara. L'objectif de cette démarche est de vous permettre de prendre connaissance de cet important document de planification définissant les axes prioritaires de développement régional pour que vous vous appropriez et que chacun y mette un peu de sien afin d'améliorer qualitativement pour répondre aux aspirations et préoccupations des populations du Guidimara. Mohamed Al-Abed est un expert. Il a indiqué que cette rencontre a permis de donner l'occasion aux compétences de la Wilaya de présenter leurs suggestions et d'exprimer leurs avis et observations sur ce document stratégique avant son adoption, rappelant les potentialités dont regorge Guidimara. En somme, cette rencontre constitue une opportunité de réflexion pour répondre aux attentes et aspirations des populations de la Wilaya du Guidimara. Culture à présent avec le lancement de cette semaine organisée par l'association Initiative de la Jeunesse du Roi del Charri en coopération avec le projet SEMA. Ces festivités se tiennent sous le slogan « La jeunesse au service du développement ». Le Wali du Roi del Charri et bien d'autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Aminata Khan revient sous les temps forts de cet événement. La jeunesse au service du développement, c'est sous ce thème qu'a été lancée à Nema, capitale de la wilaya du Houd Sharqi, la semaine culturelle. Au menu de cette rencontre culturelle, plusieurs activités allant de la poésie aux conférences sur la déperdition scolaire, le radicalisme et autres activités organisées à l'initiative des jeunes de la wilaya du Houd Sharqi en collaboration avec le projet Samar. Supervisant
la cérémonie de lancement, le wali de la wilaya du Houd Sharqi, Issel Moul Sidi, a d'emblée mis l'accent sur l'important rôle que doivent jouer les jeunes dans le développement de leur localité. Au sujet de l'accompagnement du gouvernement, l'Ouali a mis l'accent sur les politiques et orientations du gouvernement appuyées par l'engagement du président de la République, Mohamed Oulcher El-Ghazouani. Il a en outre réaffirmé que la jeunesse doit être consciente des opportunités qu'offre le gouvernement et traduire en actions concrètes les stratégies mises en place par le gouvernement. Le Wali a souhaité plein succès aux jeunes au cours de cette semaine qui, espère-t-il, au sortir de la rencontre, vont être plus engagés au profit du développement local. Lui succédant, Mesouda Abdeddaïm, maire adjointe de la commune de Nema, a abondé dans le même sens. Même son de cloche pour le délégué régional du ministère de la Culture qui a indiqué que les jeunes de la wilaya doivent être en avant-garde de toutes les causes pour dignement représenter leur localité. Les organisateurs de l'événement sont revenus sur le programme. Ils ont indiqué que le programme comporte un concours culturel tel que la poésie, des conférences organisées sur le radicalisme et la déperdition scolaire, mais également sur l'unité nationale et la cohésion sociale. La visite du Wali du Trarza a englobé diverses étapes à Kermassène. Il en était de même à Ndiago. L'objet de ces visites était de s'enquérir de visu des problèmes auxquels font face les citoyens et les élus locaux afin de trouver une solution. Bokarbe là-bas. S'informer en permanence des conditions de vie des populations, mettre en œuvre des services de proximité et œuvrer à résoudre les problèmes au quotidien. Tels sont les objectifs de la visite du Wali du Trarza Rabbi Rabou Bounenaoul Abidine dans la Moukata de Kermassène et dans l'arrondissement administratif de Ndiago. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement des différents services publics. Il a écouté les problèmes soulevés par les habitants, les élus et les représentants de ces localités. Au terme de cette série de visites, le Wali a présidé une réunion tenue à Ndiago au cours de laquelle il a été édifié sur les problèmes posés par les citoyens, assurant qu'ils seront analysés et portés au plan d'action selon les priorités. Plusieurs intervenants se sont relayés pour évoquer les problèmes auxquels sont confrontées les populations locales et leurs attentes. Et ils ont salué les efforts déployés par les pouvoirs publics. Et la visite du Wali en est une parfaite illustration de l'attention qu'accordent les hautes autorités de l'État aux conditions de vie des habitants. Au terme de la réunion, le Wali du Trarza a déclaré que ses visites lui ont permis de s'informer des problèmes posés et qu'il entend mettre en place son plan d'action tenant compte des différents aspects de la vie quotidienne des habitants en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Oulcheikh El-Ghazouani. Les habitants des localités visitées ont salué cette importante visite qui consacre le principe de rapprochement de l'administration des citoyens mettant en exergue l'importance stratégique de la zone de Ndiago. L'opération distribution des aliments de bétail à des prix subventionnés par l'État bénéficie quotidiennement à des dizaines d'éleveurs. L'opération est suivie de très près selon un listing bien précis, établi selon des critères et normes suivis à la lettre. Aminata Khan. Quotidiennement, des dizaines d'éleveurs se rendent au magasin du commissariat à la sécurité alimentaire à Mbout pour acheter à des prix subventionnés les aliments de bétail. Une opération surveillée de près par les autorités communales, l'objectif étant d'aider les éleveurs. Ce représentant du gouvernement a indiqué que cette visite leur a permis de constater de visu le déroulement de l'opération de vente qui sera doublée par une campagne de vaccination indiquant que chaque jour une liste est établie et que les éleveurs viennent acheter les aliments de bétail sans grande difficulté.
La célérité de l'opération encourage les éleveurs à se déplacer de leur localité vers la capitale Mbout pour acheter des aliments de bétail. C'est ce que nous confirme cet éleveur qui a indiqué que l'opération se déroule sans grande difficulté. Ce superviseur au niveau de ce magasin a indiqué que chaque jour, une liste est établie par le conseil de la Moukataa et que les éleveurs viennent munis de leurs pièces d'identité et qu'ils achètent les aliments de bétail sans grande difficulté. Le Wali Moussaïd Dakhlid Nouadhibou Abdel Wahab Mohamed Fadel a supervisé hier soir à Nouadhibou le lancement de la troisième édition du Festival de Nouadhibou de lutte contre l'immigration, organisé par Almanar, organisation en coopération avec la commune de Nouadhibou, sous le slogan « Non à la traite des personnes ». Au cours de son allocution, ont été passés en revue les efforts de l'État dans la lutte contre le phénomène de la migration et de la traite des êtres humains, soulignant les mesures prises par l'administration régionale à cet égard au niveau côtier. L'adjoint au maire de la commune de Nouadhibou, Abdel Rahman Mohamed Val, a également évoqué le rôle auquel aspire la commune dans le domaine de l'accompagnement, de l'accueil et de l'immunisation des jeunes contre ce phénomène. Pour sa part, le responsable d'Almanar, Madame Mama El Naji, a annoncé le lancement de l'ambitieux programme de son organisation qui sera mis en œuvre pour la première fois dans le pays sous le nom Amel Nouadhibou. Ce programme vise à aborder le phénomène de la migration de manière plus intelligente en s'appuyant sur des fondements scientifiques innovants comme elle le dit. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. L'Assemblée générale du club diplomatique de Nouakchott couronne les travaux de sa deuxième session par l'élection d'un nouveau bureau exécutif pour le club. Le secrétaire général adjoint du gouvernement visite certains sites archéologiques et touristiques de la réserve du Bandarguin, accompagné d'une délégation de l'autorité omanaise, des documents et manuscrits. Et Nouakchott accueille une réunion de concertation sur la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée de la wilaya du Guidima. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.